château du Chenec a été construit dans les années 1200. Il a appartenu à l'évêché de Strasbourg, au comte de Pombich, puis à la famille de Durkheim, jusqu'à sa destruction par les troupes de Louis XIV. Il a été habité jusqu'en 1640, à peu près jusqu'à la destruction par les troupes françaises. Alors, le concept de bâtisseur de château fort a été fait en collaboration par les associations comme la nôtre. En relation avec ADT 67, on a pensé que cela pouvait intéresser les touristes et les citoyens de participer à la reconstruction d'un château. On visite un beau lieu, une belle région, et puis en même temps, on prend la truelle. On donne un petit coup de main, un petit coup d'outil, voilà, sans être franchement du métier, mais bon, voilà. Petite participation à la sauvegarde d'un patrimoine séculaire, un tourisme, disons, un peu plus actif, voilà, différent. Chaque fois qu'on découvre un mur ou qu'on le reconstruit, on sait qu'on travaille pour les générations futures, ou quand on est dans le puits, on sait que peut-être un jour on rebâtira la chapelle qui se trouvait ici, dont tous les éléments sont aujourd'hui dans le puits. Les détails. Et c'est une excitation de tous les instants de découvrir des pierres qui ont été jetées en 1680 à la suite de la destruction de ce bâtiment. Et la plus grande joie, la plus grande émotion, c'est de découvrir les traces de brûlés, des cendres. Quand vous retournez une pierre et vous avez encore la cendre qui date des années 1680, c'est fabuleux.